Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous ». Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux? Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent.